Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une vidéo entre filles par ici. Du coup, aujourd'hui, je vous propose une vidéo, épisode 2, de quelque chose qu'on avait fait il y a combien de temps ? Avec mes copines Suns Up et Dooms, on avait fait une vidéo où on reproduisait les photos Instagram des autres. Et j'adore faire des photos en ce moment. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être un challenge plutôt cool, voir si j'ai progressé depuis je sais plus combien de temps. Le problème, c'est que je les connais et évidemment, elles vont pas du tout me mettre des photos sympathiques. Enfin, elles vont être dans leur thème. Mais nous sommes trois filles très différentes, qui aimons des choses très différentes. Et c'est ça qui fait la beauté de l'amitié. Mais peu importe, nous allons les rejoindre et on va voir ce qu'elles ont choisi comme photos. Et moi, évidemment, j'ai choisi des photos aussi. Ça va être rigolo! Allez, on va les rejoindre. C'est parti! Les filles, êtes-vous prêtes à voir les magnifiques photos que vous allez devoir reproduire? Allez, montre-nous! Allez! Je veux du sexy. Oh, oh my god. Mais non. Oh là là. Je veux du sexy les filles. I need sexy. Vous êtes des femmes belles. Donc montrez-le. Non mais par contre c'est un thème le noir et blanc genre. Ouais par contre I'm so sorry, c'est du coup c'est thème noir et blanc. Mais n'oubliez pas, j'ai quand même, je suis grave make-upisée pour la première. Ouais. Hein, donc je veux le même make-up. Des okay. Yeux charbonneux, là, hein, okay. Ok. Et la deuxième, une certaine pose... naturelle, en plus t'as pas ma naturelle, totalement. Voilà. Je suis très contente de mes photos. Elles sont trop belles en vrai, mais vas-y, je elles sont pas trop belles, ça, mais avec toi dessus, en fait. C'est pas compatible avec moi. Oh, Seigneur. Ça va être drôle. Au secours. Ok, donc okay. Le thème de Doom, c'est sexy en noir et blanc. Sexy en noir et blanc. Vas-y, Marie. Toi, je parie que du coup, ça va être un thème nature. Et dodo. Elle Marie me connaît dodo. Par cœur. Mon thème... et totalement ce que Suns Up vient de décrire, dans la nature et de dos. Putain. Et une de nuit, évidemment, oh avec non, les étoiles. Oh non, mais putain. Mon ah jardin, ouais. Il est vraiment pas instagrammable. Oh my god, mais la deuxième va être super dure, celle dans le noir. La deuxième horrible. Est ultra dure. Le pire, c'est que c'est même pas toi qui l'as pris, t'as posé. C'est vrai, c'est vrai. Dooms, toi, je vais te mettre des photos faciles, et Marie, je vais te mettre des photos de Tahiti. Bien sûr, évidemment. La vengeance. Alors moi, j'ai un thème, chacune son thème au final. Moi, j'ai le thème voiture, voilà. Donc, voiture. Dooms, ça va être très drôle, avec ta magnifique bagnole. Mais non, bagnole. Meuf, ma caisse, elle est pourrave. Ça va être trop drôle. Oh, rigolo, ouais. J'avoue. J'ai 3 semaines pour changer de voiture. Oh, trop bien. Défi à relever, j'ai envie de dire. Ah bah c'est défi parti. Accepté. Bon, à tout de suite, non, à très vite les filles, ouais, j'ai envie de dire. À bientôt. Suite, ouais. Allez, à dans un mois. Ok, on va commencer avec les photos de Dooms. Thème, c'est le noir et blanc, la beauté féminine, sexy, tout ça. Tout ce que je ne peux pas m'approprier parce que j'ai du mal avec moi-même. Ça va être rigolo. Bref, la première. Elle est très bien maquillée, elle a les cheveux en arrière et elle porte un maillot de bain, soutien-gorge, je ne sais pas. Ça lui va très bien. Moi, moi. Bref, du coup, déjà, faut que j'essaye de reproduire son maquillage parce qu'elle est bien maquillée. Pour l'instant, moi, je n'ai absolument rien sur mon visage. Donc, on va essayer de faire ça déjà. Donc, avant... Après, écoutez, le maquillage c'est pas mon fort, mais ça passe, non? Faudrait que je m'attache bien les cheveux derrière. Je m'attache jamais les cheveux à fond derrière, parce que je trouve que ça me va pas. Vraiment bien tiré derrière. Ça ne me va pas du tout, mais alors, pas du tout. Au secours. Later. Bon, le décolleté n'est pas le même, mais j'ai... que des sous-titres de sport en fait qui sont comme ça. Elle, elle a un truc un peu entre les deux, moi j'ai pas de truc comme ça. Donc écoutez, ça le fera, ça le fera. Ouais, maintenant faut mettre la photo en noir et blanc et se mettre en mode... badass. Ça devrait faire l'affaire, la deuxième photo. Évidemment. Pour celle-ci, elle a, il me semble, un body à manches longues. Cependant, elle a uniquement... un body, à manches longues. Personnellement, je suis pas quelqu'un avec énormément de confiance en moi. C'est pas très grave. Dooms est une très belle femme et elle a beaucoup plus confiance en elle que moi. Et c'est compliqué du coup pour moi de reproduire ce genre de photos parce que ce ne sont pas des positions naturelles. La photo du miroir n'est pas une position... Alors, ce n'est pas une position naturelle tout court. Hein. Je me doute que pour elle non plus. Mais moi, c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise parce que, bah voilà, hein, ça dépend des gens. Et je trouve que c'est pas grave d'être gênée de certaines choses. Donc, j'ai un petit peu contourné le truc.
En fait, j'ai acheté les fringues pour les photos, parce que du coup, il y a certaines choses que je n'avais pas. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. J'ai donc pris un body à manches longues, comme elle a sur la photo, mais comme je ne suis pas à l'aise avec le fait de mettre uniquement un body à manches longues pour cette photo, j'ai aussi pris un leggings beige. Ça se verra pas sur la photo, elle est en noir et blanc, j'espère. Oh, je meurs, mon illusion est parfaite. Ok, donc elle est couchée comme ça devant son miroir. Donc genre vraiment comme ça. Le problème, c'est qu'elle a un espèce de grand vase transparent devant. Bon, le plus grand truc que j'ai en verre, c'est mon mixeur. En fait, tout est dans la perception du truc. Si je le mets vraiment collé ou pas. Même si c'est ridicule. Elle est comme ça. Pourquoi est-ce que ça ne va pas du tout? Déjà le mixeur. Derrière, c'est plus beau chez elle. Hein. Mais je ne peux pas faire autrement. Si ça n'a aucun sens. Ce miroir est plus beau aussi. Oh, c'est du gainage quoi. C'est tellement pas naturel, my god. Mais niveau position, on est pas mal, je trouve, niveau position. Je pense que c'est un oui pour celle-là. On va retoucher. Maintenant, passons à celle de Sun. Mais avant, faut que je remette des fringues où j'ai l'impression de... où je me sens mieux. Ok. Bon, Sun et moi, niveau style vestimentaire, je pense qu'on peut se qualifier de radicalement opposés. Donc, j'ai pris des fringues, j'ai dû prendre quasiment toutes les fringues qu'elle portait sur ces deux photos. Sur celle où elle est devant sa voiture, elle porte du coup un petit haut rose. Ah oui, elle porte une jupe, mais je me suis dit j'en ai déjà une comme ça. Je vais devoir la chercher. Mais surtout, elle porte des... J'en reviens pas que j'ai acheté ça. Oui, je n'ai jamais porté de talons de ma vie. Je suis censée prendre cette photo à l'extérieur. Pourquoi elle fait ça? Et quand elle est dans sa voiture, elle a une robe orange. C'est à peu près ça. Puis ça, mais attends. J'ai jamais marché avec ça de ma vie. Comment est-ce que des femmes peuvent porter ceci tous les jours? Je n'arrivais même pas à les mettre. Oh. Ah non, ça reste le tour avant. Attends, je capte pas. Je sais même pas comment on les met. C'est pas plus simple pour mettre ça. Ça, ça se met derrière. Quoi? Ça n'a aucun sens. Mais ça fait mal. Comment tu veux courir avec ça? Ça me fait trop mal, mais mon dieu. No offense, bien sûr, s'il y a des filles qui portent ça, portez ce qui vous rend heureuse. Mais moi, ça me fait mal. Quelle horreur. En plus, faut pas mettre de chaussettes dedans, évidemment. Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? J'ai oublié de regarder la longueur de la robe. Mais on peut faire des plis. Je suis totalement dans mon élément. I am ravie. Match. Match later. Bon, la première photo de Sun, c'est bon. La pire, c'est maintenant. Oh non, au secours! Alors autant la robe était beaucoup trop longue, autant la jupe. Au secours! Je voulais que tu saches qu'à ce moment précis, vraiment à ce moment précis, je te déteste. Allez, on va éditer tout ça, au secours. Plus jamais je mets ces merdes, plus jamais. Littéralement 4 mois plus tard, nous revoici pour tourner cette outro. 4 mois pour faire des photos, c'est chaud. Ah ouais, 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 et le pire, c'est qu'en 4 mois, il s'en est passé des choses. Déjà, Dooms, elle a pris les photos, elle les a perdues. Oh oui, j'ai un déménagement compliqué et tout s'est envolé. I'm so sorry. Du coup... elle fait acte de présence, mais c'était déjà... Voilà, elle fait acte de présence. Tu vas pouvoir juger voilà. Les photos sexy que tu nous as imposées. Exactement. Et c'était pas facile, hein, meuf. En plus, je suis vraiment la bad bitch, genre en mode, je vous mets des photos sexy, et ben moi, j'ai pas vos photos. Bon, et ben on commence par tes photos. Je veux voir celle en body, pour commencer. Ah, directement la sauce. Ok, moi, je suis prête à l'envoyer.
envoyer. Tu sais, on a mis un collant, Marie. On fait dans 3, 2, 1. 3, 2, 1 et 1. Waouh. Oh, oh. Mais toi, t'as un géant miroir aussi. Je suis trop jalouse. J'ai un géant miroir aussi. Waouh, vous êtes trop belles. Et postez-les, les meufs, vous êtes trop belles. Grave. Au moins, ça sera une excuse pour les poster. Tu vois, moi qui n'ose pas poster des trucs trop sexy et tout. Mais Marie, t'es so sexy. T'es trop belle. C'est bon, ça se voit pas que j'ai un collant? Non, ça te va pas. J'ai un leggings, mais quand tu zoomes, tu vois les rayures. Bah, c'est pas bien. Quand tu zoomes, ouais, tu vois d'où. Bah, c'était pour la vidéo, genre en filmant, ça faisait quand même. J'avais du mal à filmer, voilà. Mais pour le coup, c'est celle de Marie qui ressemble le plus. Ouais. Ouais, mais c'est parce que le miroir. Ouais. Après, ouais, j'ai essayé la vraiment d'avoir la même, tout, ouais. Au même endroit, la position, mais ça peut être chiant avec un petit miroir. Paris, non, mais franchement, il y a du sexy, il y a du sexy, je suis contente. Deuxième photo, du coup. Waouh. Moi, j'arrive pas à faire le regard sexy, j'ai non, vraiment j'avoue que Marie, tuer, on dirait que t'as tous les malheurs du monde. On dirait que c'est les photos quand tu rentres en prison. Mais ouais, j'avoue. Une dollar de 10 ans qui a assassiné toute sa famille, mais genre c'est un truc de ouf, je suis morte. Mais j'arrive pas à faire un regard sexy. En plus toi tu souriais pas et tout, tu levais un sourcil, j'ai essayé, mais moi j'ai pas le truc, Bah franchement, un très bel effort. Par contre, si je dois choisir l'une des deux photos, bah je dirais plus Sunset parce qu'elle regarde plus doux que Marie, tu me fais peur en fait. Genre Marie, tu vas tuer des gens. Marie, tu vas tuer des gens. Bah GG les meufs. Bon, je vais voir le travail maintenant. J'aimerais bien voir en premier celle dans la forêt, moi. Ok. Il faut savoir que pour cette photo, je vais te montrer la originale et la retouchée. Uh-huh. Parce que c'était pas facile. Il faisait pas aussi beau que ce que j'ai toi dans la photo. Ma photo originale, sans modification, était comme ça. Ah oui. C'est un peu la tristesse quand même. Il manque un peu de soleil. Voilà, Il manque un peu de soleil. Mais le reste, c'est très beau. Franchement. Bah je suis deck parce que la robe, les chaussures et tout. Et du coup j'ai modifié à fond la photo pour essayer de la faire plus ressembler à un jour ensoleillé, mais c'était dur. Ah non, pas mal. Franchement le soleil sur les cheveux et tout, le reflet. T'es la pro du fake aussi toi. La pro du fake. Les vacances à New York, on connaît. Alors Riri, je crois que je vais garder la meilleure pour après. Tu vois, c'était dans ta longue, je vais la garder pour la fin. Je vais te demander la photo dans la voiture. Moi, j'ai fait ça. Oh, stylé. Oh, mais ça ressemble de ouf. En vrai, j'ai essayé la tenue, les chaussures et tout, machin. Bon, toi, t'étais dans un parking derrière. Moi, je me suis mis au milieu de nulle part parce que bon... ouais, le parking, t'as peut-être pas. Quand t'es toute seule à prendre la photo, t'as l'air un petit peu débile quand même, autour de gens. Ah ouais, non, pas mais se mentir. Drôle, c'est super drôle. C'est stylé, et la robe, c'est grave stylé. Ça me fait plaisir. La robe m'arrivait aux chevilles, à peu près. Donc j'ai dû beaucoup la remonter, mais franchement, je suis assez contente. Ça, surtout toute seule, pour mettre le plan et tout, ça a dû te galérer. J'ai galéré de ouf. Non, puis surtout, mais l'autre là, je l'ai fait aujourd'hui là, la deuxième, et il y avait un mec dans les bois, au loin, qui m'observait quand même. Genre méga glauque. L'angle, je ne sais pas ce qu'il foutait là, et genre, bah voilà, je vous montrerai la photo après, mais c'était... Ah. Mais avant, je veux voir du coup moi ma meilleure. Ah. C'était celle de nuit. Alors, qu'as-tu fait, meuf? Je t'avoue, je l'ai fait au dernier moment. C'est hier en rentrant d'un tournage que j'ai fait avec la moto. Sur le chemin du retour, sur la route, il me restait genre 20 minutes de route et le ciel commençait à devenir de plus en plus sombre. J'étais là, putain, il faut que je fasse la photo de Marie maintenant. Genre, il était trop beau, il avait plu. Et du coup, j'ai réussi à prendre une photo comme ça. Bon, après, la comète, elle n'existe pas. C'est oui. Photoshop. Mais c'est méga stylé. Franchement, je suis impressionnée. La position, tout ça, machin, tout y est. Franchement, choquée. 10 sur 10, hein. Je suis choquée, j'avoue. J'étais au milieu de nulle part, à côté d'un bois, j'avais trop peur de me faire tuer, genre. J'étais pas à l'aise. Eh bah, franchement, bravo. Je suis impressionnée. Bon, reste la meilleure photo, hein. Je vous rafraîchis vos mémoires. C'était bien évidemment Sun devant sa voiture. Habillée comme une peste. Une magnifique tenue totalement appropriée à moi-même. Donc voilà, je suis allée en plein milieu de nulle part, seule avec ma voiture et mon trépied. Et voilà, j'ai réussi à quand même à peu près reproduire la photo. Oh my god! Oh, c'est la chambre! Par contre, la pose meuf, 10 sur 10, genre c'est exactement. Mais meuf, t'as des jambes en talons. My goodness, elles sont magnifiques. C'était la première fois que je mettais des talons aussi grands de ma vie. C'était ridicule. Regarde le sol. J'ai tellement galéré.
Voilà, je me suis dit, allez, foutu pour foutu, c'est parti. T'es trop belle, moi j'adore, t'es belle. Mais ouais, ça, ça, ah bah, ça me fait plaisir. La dernière fois qu'on a fait le concept, c'était déjà ressemblant, mais là j'ai l'impression que genre tu m'as battue à plate couture. Bah j'ai pris les fringues cette fois-ci pour vraiment ressembler à fond, voilà, à vous, même si j'étais pas trop ravie de certaines fringues, mais j'ai essayé. Comment ça, problème contre mon style vestimentaire. Pas du tout. En tout cas, la meilleure d'entre nous, c'est clairement Dooms. Hein. Dooms, tes photos. Incroyable. Ah. La meilleure, je pense, c'était la gagnante. Hein. Ah bah, je suis d'accord. Elles sont vraiment trop belles. L'investissement était à 100% et voilà, très contente de moi. Ah mon dieu, ouais. Bon bah... Eh bah écoutez, 4 mois plus tard, nous avons terminé ce challenge incroyable. Alléluia. Rendez-vous dans 2 ans pour le prochain. Que ouf, tellement. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Non, il faut quand même... On aura plus de motivation, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?